Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un projet et c'est un album Naissance. C'est un album qui m'a été demandé très récemment et c'était assez pressé. Donc, j'ai essayé de trouver une solution rapide, efficace pour créer quand même un joli album dans lequel on peut mettre entre 30 et 40 photos quand même, mais ça nécessite pas trop de temps et pas trop de matériel. C'est vraiment quelque chose de très facile à faire et puis il fait son effet quand même. Et pour cet album, j'ai choisi ce bloc. Alors, ce bloc, je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne suis pas fan hein, de ces images comme ça. Mais par contre, les couleurs pastel sont juste superbes. Franchement, ce papier est très joli. Bon, ça, c'est pas terrible, mais. Bah, là, c'est recto verso, hein, on y a le droit. Là, on pourrait faire des sets de table, ça pourrait être sympa. Faire un set de table personnalisé, par exemple. Après, franchement, tous les autres papiers, ils sont trop jolis parce que les couleurs sont super douces. Ce papier-là, je l'adore. Donc, franchement, un très joli bloc que j'ai trouvé, donc c'est devait être pas dans les derniers, mais enfin si, c'était dans les derniers blocs. Il date de 2023, bien sûr, donc c'était l'année dernière. J'ai également utilisé bien les blocs trois couleurs, comme d'habitude. Et puis j'ai utilisé mes chutins, beaucoup. Je l'avais à côté de moi et je l'ai utilisé le plus possible, tous mes petits bacs de chute, histoire de les éliminer également. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'ai fait son petit sac. En tout, pour faire le sac et l'album, j'ai utilisé 8 feuilles. 8 feuilles du bloc. Donc, vous voyez, sur un bloc de feuilles, de 24 feuilles, 8 feuilles, ça va. Alors 8, 9 avec les étiquettes. Donc 9 feuilles. Et quand j'ai eu besoin d'une petite découpe, plutôt que de prendre dans un papier 30-30, quand je n'avais pas assez de chute, j'ai puisé dans mon stock de chute qui avait en raccord, bien sûr, en termes de couleur. Et du coup, ça m'a évité de découper un papier 30-30. Donc voici ici le petit sac tout simple, un cordon de chez Action, des petits tags dans les chutes et un tag de la collection. Ici des petites perles de chez Action bois qui sont très jolies. Et voilà donc la couverture. Là, vous allez pouvoir reconnaître ici bien les lettres, hein, qui sont trop belles, hein, qui ont sorti il n'y a pas très longtemps. Ici, c'est toujours les fleurs de chez Action. J'ai changé le petit cœur, j'ai mis un tout petit peu de paillettes au bout des pétales. Et puis voilà, là, on a les nouveautés qui viennent de sortir. Et moi, il me restait toutes ces petites fleurs que je trouve trop mimi. Et puis voilà, ça me faisait comme une envolée de fleurs et j'ai dispersé le prénom dedans. J'ai fait ici un bijou d'album avec quelques petites breloques, avec les couleurs un petit peu du papier. Donc là, c'est bien, c'est qu'il y a vraiment un petit peu de toutes les couleurs, mais ça reste dans le pastel. Et puis ici, des petits cordons. Le dos est tout simple. Ici, le nom de la chaîne avec quelques petits feuillages. Donc voilà, il va s'ouvrir comme ceci. Donc c'est une fermeture qui vient se glisser dans la couverture. Donc c'est simple. Et moi j'aime bien parce que ça reste bien, bien droit, bien fermé.
Ici, c'est de la cartonnette, donc ça ne bougera pas. J'ai mis des petits coins. Hop. Et après, on ouvre comme ceci. Donc là, on n'a que des espaces photos 10 par 15. Ici, on va retrouver les embellissements faits avec nos chutes. Quelques sentiments, voilà, les découpes. Je vous laisse observer. Oh, je vais le poser, hein, c'est aussi simple. Je vous laisse observer. Observer l'album. Donc, il s'ouvre comme ceci. Hop, ici. Vous l'ouvrez comme ça. Donc, en fait, c'est un album déstructuré. Comme vous pouvez le constater, les pages sont de plus en plus grandes. Ici, on a une petite page avec un petit rabat. À chaque fois, on va retrouver comme du washi. Et en bas, il y aura une petite déco. Ici comme ça. Et voilà pour la présentation. Hop. Donc voilà, cette présentation est terminée. Alors, n'hésitez pas à me demander si vous désirez le tuto. Bien sûr, il est prêt. Si vous avez envie du tuto, n'hésitez pas. C'est quelque chose d'assez simple à réaliser et très rapide. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouveaux projets. Bisous, bisous.